tous, nous sommes le lundi 5 décembre. On va allumer notre bougie. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est ce qu'on avait utilisé pour les wax pain. Au fur et à mesure que la bougie descend, eh bien, ça fond comme de la cire, ce qu'on avait écrit avec les wax pain. Voilà, le thé du jour. Alors, Gute Laune, ça veut dire, si ça veut bien faire le point, la bonne humeur, un thé pour être de bonne humeur. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis dedans? Alors, ils nous ont mis du maté, de la citronnelle, du gratte-cul, comme on dit en français, des baies d'églantine, voilà, de la pomme, des feuilles d'ortie, de la verveine citronnée, des feuilles de stevia. Ben écoutez, on va voir si je le bois et si je suis de bonne humeur. Je suis rarement de mauvaise humeur, donc ça ne fera que renforcer ma bonne humeur. Voilà, ça sent très bon, ça sent un peu la verveine, c'est la verveine qui prend le dessus. Alors, cette tasse, aujourd'hui je vais vous raconter une autre histoire de Noël. Chez nous, chez moi, on est 5 frères et sœurs qui ont eu chacun 2 voire 3 enfants, qui ont eu chacun à leur tour 2 voire 3 enfants, donc... Quand on fait Noël, on est des grandes tablées. Mon conjoint, c'est pareil. Ils sont 4 frères et sœurs qui chacun ont eu des enfants et des petits-enfants. Donc je dispatche. On va fêter sur 3 jours. En Alsace, le 26, c'est encore férié. C'est la Saint-Étienne. Donc le 24, je fais une partie de ma famille. Le 25, avec la toute grosse haute partie de ma famille. Et le 26, avec la famille de mon conjoint. Donc, comment vous dire? Des fois, on se retrouve à 25 à table. Alors, je ne vais pas faire 25 cadeaux, ça c'est clair. On fait des cadeaux à nos petits-enfants, à nos enfants, et puis ça s'arrête là. Et puis, pour qu'il y ait quand même l'esprit de Noël, on fait ce qu'on appelle, dans certaines familles alsaciennes, tout le monde ne le fait pas, le Rummeldi, Boumeldi. Alors, ça pourrait se traduire à... un chamboule tout mélangé ou un fourre-tout mélangé. En quoi ça consiste? Alors la personne qui reçoit, l'hôte, l'hôtesse, moi en l'occurrence, donne un thème et chacun doit ramener un cadeau ou une chose faite qui ne coûte pas plus que 10 euros et qui respecte le thème. Donc cette année, vous le savez, chez moi, le thème, c'est nature givrée ou nature ou givrée ou nature et givrée. Ben, chacun peut détourner, faire comme il veut pour détourner, tituler. Et souvent, ça fait des bonnes parties de rigolade. Chacun l'emballe dans un papier qu'on ne reconnaît pas trop. On le met, j'ai une grande hotte, on le met dans une grande hotte et on prend l'enfant le moins âgé de la tablée ou la personne la plus jeune. On la met sous la table, que ce soit un enfant alors, et toutes les personnes qui sont autour de la table tape comme ça sur la table avec les deux mains en disant « Rummeldi, Boumeldi » comme c'était un peu une incantation magique. Et l'enfant tire un cadeau, lui il ne connaît rien, et il dit ben, par exemple « c'est pour papy, c'est pour tantiche », voilà. Et on sort et comme ça chacun reçoit un cadeau et souvent franchement c'est des bonnes tranches de rigolade parce que ben, y en a qui ont vraiment de l'imagination pour détourner... l'intitulé du cadeau. Alors, cette tasse, elle remonte à fort longtemps, je crois qu'il y a plus de 10 ans, et le thème, c'était moins de 10 euros, jaune ou orange, ou jaune et orange. Et moi, j'ai tiré une tasse, et ça ne pouvait pas mieux tomber. Vous avez vu l'intitulé Creativity pour une scrapeuse, c'est trop bien. Voilà, donc l'euro me le dit, donc vous verrez quelques tasses qui ont été gagnées, tirées au sort, soit les miennes, soit celles de mon conjoint. Et puis, je vous raconterai à chaque fois le thème et pourquoi j'ai eu cette tasse. Voilà, il y avait vraiment des choses très, très rigolotes l'année du jaune et du orange. Voilà, le bread du jour, qui n'en est tout qu'on ne fait pas un. Donc, le numéro 5, je vous le montre. Alors, c'est pas vraiment un bread. Je vais faire le point. J'ai mis mes petites paillettes sucrées... holographique que j'adore. Je mène du scrap dans mes gâteaux.
C'est le galurin. Alors, soit vous le trouvez, c'est un gâteau, un petit gâteau français de la France de l'intérieur, pas du tout alsacien. Mais je le fais parce que ben, quand mes enfants étaient petits, ils en raffolaient. Et du coup, si je ne le fais pas, mais après, Sarah, ouais, pourquoi tu ne les as pas fait? Voilà, donc ça, c'est un bredel qui n'en est pas un, mais qui va très bien avec tous les autres bredels. Le galurin. Je pense que là, vous trouverez la recette sur Internet parce que c'est vraiment une recette, une vieille recette française. Ensuite, le cadeau de ma petite Céline, le numéro 5. Alors, c'est dur, il y a plusieurs parties dures, peut-être des crayons. Ouais, peut-être des crayons. Allez, c'est parti, on ouvre. Pas du tout. Je vois ce que c'est et c'est trop bien. Sauf que Céline, oulala, c'est pas le diamètre de mon pistolet à colle. Je crois que ça c'était. Attendez voir. Je vais regarder, ça va être marqué. Ouais, c'est des 1 cm ici. Voilà. Et moi, mon pistolet à colle, ben, c'est les petites, les fines. C'est les fines. Donc, ben, qu'est-ce que je fais, Céline? Soit j'investis dans un pistolet à colle plus gros. Il y en a des pas chers hein, chez Action. C'est vrai que ces couleurs sont vraiment trop sympas, comme ça, vertes et. Je sais pas si tu as trouvé ça d'ailleurs. Je n'ai jamais vu vertes et rouges pailletées pour Noël. Ben, tu me diras. Tu me diras sur Instagram ce que tu as trouvé parce que. Ouais, du coup, je vais faire ça. Je vais les garder et je vais investir dans un pistolet. À colle à gros calibre 1 cm. Je sais que chez Action ils sont pas trop chers. Et puis c'est vrai que quand on colle beaucoup, quand on se met à coller beaucoup, autant que toi, Céline, hein, quand tu fais tes 15 calendriers, je pense que ça partira moins vite. C'est vrai que les petites, c'est bien pour la précision, mais ça part à une vitesse. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Céline, pour ce cadeau. Et puis bah, voilà, ça me forcera à investir dans un pistolet à colle. De compète ou à gros débit. Merci, merci. Et enfin, on va ouvrir notre crafter compagnon. Alors, là. Alors, où est-il? Je prends contre moi. Voilà, c'est la préouverture de la partie cartonnée parce que le carton est un petit peu fragile et si on y va comme un bourrin, ben, il se déchire, comme vous voyez ici. Et là, c'est la partie en papier alu. Voilà, il y a quelque chose qui bloque derrière. Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Ah, parce que c'est un petit classeur d'embossage. Oh, mignon. Attendez, je vais refermer pour essayer de garder l'image. Ah, trop chouette. Attends, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaie de ne pas avoir trop de lumière. C'est un tout petit classeur d'embossage qui doit faire, je pense, 6 sur 6 ou 7 sur 7. Et ce sont des petites feuilles de houx et des petites baies de houx. Trop bien. De la marque Gemini. C'est aussi des machines de découpe, ça, Gemini. Voilà. Eh bien, comme d'habitude, je vais aller faire quelque chose et puis je vous le présenterai après. À tout de suite. Voilà, alors ce que j'ai réalisé avec ce petit classeur d'embossage, j'ai fait une petite étiquette pour accrocher sur un cadeau. Alors, je l'ai fait sur un fond de papier craft que j'ai après maté avec du papier doré comme ça. Et j'ai juste embossé et passé les petites feuilles avec une cire verte. Et alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'espère que ça va bien faire le point. Toutes les petites boules de gui, je vais mettre comme ça pour que vous voyez le relief. Eh bien, j'ai mis une petite drop de nouveau couleur perle. Voilà, ça fait très mignon. Je ne sais pas si ça va rendre justice à la caméra, mais en tout cas, c'est très très joli. Voilà, c'est tout fin, tout délicat, j'adore. Eh bien voilà pour notre aventure du 5 décembre. Je vous retrouve demain pour la Saint-Nicolas. Salut, bisous!